le nord de la ville de Saint-Hyacinthe. Vers les années 1970, Saint-Hyacinthe se développe considérablement du côté nord de la ville. Grâce à la diversification industrielle et à sa spécialisation dans le domaine agroalimentaire, Saint-Hyacinthe se relève avec vigueur de la crise économique des années 1960 et 1970. La ville poursuit ainsi son essor tout en subissant d'importantes transformations sur le plan du territoire et de l'urbanisme. Avec l'inauguration de l'autoroute Jean Lesage en 1964, cela facilite le transport et par le fait même entraîne le développement rapide au nord de la ville de Saint-Hyacinthe. Ce secteur accueille notamment les premiers parcs industriels de la municipalité. En 1971, un important pôle commercial arrive avec l'ouverture des galeries de Saint-Hyacinthe. Quelques années plus tard, beaucoup d'autres commerces s'y installent de part et d'autre. Le secteur des services s'y développe également avec l'inauguration de l'hôpital Honoré-Mercier en 1972. Une vingtaine d'années plus tard, fut l'aménagement du parc thématique L'Espace Mascoutin ainsi qu'un tout nouveau bureau d'information touristique qui est situé au centre des congrès de Saint-Hyacinthe, rue Daniel Johnson-Ouest.